Bonsoir et bienvenue. Ça vous regarde en direct toute la semaine. Vous le savez, les présidents de groupe se succèdent dans cette émission pour dresser le bilan des un an de la nouvelle Assemblée. Vous le voyez ce soir, c'est une présidente. Bonsoir, Mathilde Panot. Patronne des Insoumis. Merci d'être là, les Insoumis. C'est à vous. Qui n'ont sans doute peut-être jamais aussi bien porté leur nom que depuis cette année d'élection, première année de nouvelle Assemblée. On va en parler sur le fond, sur la forme. Et puis on va parler de la MUPES aussi un an déjà. Initiative largement voilà, des Insoumis, mais pas seulement. On verra. Si elle a encore un avenir, on en parle tout à l'heure. Mais on commence ce soir. Avec euh, trois lettres, trois lettres qui donnent des sueurs froides aux élus locaux. ZAN pour zéro artificialisation nette. C'est l'objectif de la loi climat euh, votée euh, il y a deux ans. Seulement voilà, euh, deux ans après, euh, sur le terrain, eh bien, la lutte contre euh, le tout béton devient une sorte de mission impossible en pleine crise du logement. Alors qu'est-ce qu'on fait Des exceptions, des exemptions euh, Les députés, notamment les sénateurs, aussi s'emparent euh, du sujet. On en débat dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Avant de retrouver euh, nos partis pris, nos affranchis. Et puis, dans Bourbon spécial euh, ce soir, Bourbon Express, un an, eh bien, euh, on va parler du name and shame consacré à l'Assemblée. Voilà pour le programme. Vous me suivez, Mathilde Pano Ça vous regarde, c'est parti. Placer le curseur entre les terres agricoles et les terrains constructibles à l'heure de l'urgence climatique. La loi climat, fruit de la convention citoyenne votée en 2021, est devenue la cible de beaucoup, beaucoup d'élus locaux. Alors, levée de bouclier pour dénoncer une sorte d'usine à gaz sur le terrain qui a trouvé un certain écho au Sénat en pleine campagne des sénatoriales. Alors, faut-il revoir, attention, c'est pas facile, hein, l'objectif du ZAM, le Zéro Artificialisation Net, prévu dans cette loi climat. Bonsoir, Bastien Marchive. Gracias. – Bonsoir. – Merci d'être là. Vous êtes député apparenté Renaissance des Deux-Sèvres et vous êtes le rapporteur à l'Assemblée de cette proposition de loi qui arrive du Sénat. Elle est examinée en, en commission, elle arrive dans l'hémicycle euh, la, la semaine prochaine. Vous allez dire ce, ce que vous allez en faire de ce texte. Ce n'est pas votre groupe politique. Est-ce que vous allez le rejeter ou peut-être même le, le réécrire euh, Bonsoir Aminata Nyakate. – Bonsoir. – Merci d'être là. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Eve Cheftel. Ravie de vous retrouver, journaliste à Libération, chargée de la ville, de l'urbanisme et du logement. Enfin, bonsoir Jean-Philippe Duguin Clément. Bonsoir. On a forcément besoin d'un maire sur ce plateau, ça tombe bien. Vous êtes le maire de mency dans les Saônes, maire centre droit. Je crois que vous êtes aux prises avec cette question des d'Uzan, auteur de L'habitat fait le citoyen aux éditions de l'Aube. Mathilde Panot, on voit que ce sujet remonte partout hein, du terrain, peut-être même dans le Val-de-Marne, votre circonscription. Donc évidemment, n'hésitez pas à participer, à intervenir, même à interroger nos invités. On commence par planter le décor. Les ânes en 200 secondes. C'est un défi. Le chrono de Blackout, tout de suite. Bonsoir, mon cher Stéphane. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à toutes et tous. Alors, le tout Alors, béton. Avant de parler du ZAN, euh, on va peut-être essayer d'expliquer de quoi on parle. Donc, on va partir d'un chiffre-choc qui a été révélé par la euh, Cour des comptes, qui disait en 2020 que, entre 2010 et 2020, 600 000 hectares de terres naturelles ont été bétonnés en France, qui correspond à l'équivalent d'un département. Donc à ce rythme-là, au bout d'un siècle, on a bétonné l'ensemble de la France. Alors, le coupable, en plus, est désigné, vous voyez, par la Cour des comptes, c'est marqué ici. La raison, c'est l'étalement urbain. Ce fameux rêve français du pavillon avec jardin, pourquoi pas une piscine pendant qu'on y est. Et ça, évidemment, ça a un résultat, c'est que la ville grignote sur la campagne, ce qui est une catastrophe écologique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. On a construit un modèle de société où la, la promotion sociale, le progrès, la, la réussite passait par avoir son pavillon à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville, conduire les enfants à des activités dès qu'ils ne sont pas à l'école, et donc un modèle. Où on a le pavillon, où on a de l'étalement urbain, où on a deux véhicules par foyer, etc., etc. Et à cet égard, en effet, il faut réussir à revenir sur cette, sur cette catastrophe française qui a été l'artificialisation des sols. Alors, ça, c'était en 2020, et le président, vous l'avez peut-être remarqué, s'exprimait devant la Convention citoyenne pour le climat. Donc, dès l'année suivante, ça s'est traduit dans une loi qui a été adoptée à l'Assemblée, qui a acté un grand principe, celui du ZAN, donc, euh, diminuer de moitié l'artificialisation des sols d'ici 2030 et pour arriver à 2050 à zéro artificialisation euh, supplémentaire. Donc sur le principe, euh, tout le monde était plus ou moins euh, d'accord au départ. C'est-à-dire que ben, pour les agriculteurs, ça leur donnait le sentiment qu'on protégerait leur terres agricole, euh, pour les écologistes, que ça éviterait le bétonnage euh, de la nature, et même pour le gouvernement, euh, ça sans doute inciterait à revitaliser les centres-villes des petites villes de, de province, qui est euh, un de ses objectifs. Sauf que qu'en 2022, euh, quand il a fallu traduire ça, le grand principe, dans des décrets, ah ben là, ça a commencé euh, à coincer, parce que les maires avaient quand même l'impression que ce, ce truc du ZAN, ça allait les priver de de leurs pouvoirs principaux, qui est euh, pouvoir euh, décider du plan d'occupation de la commune, donc de délivrer des permis de construire, ce qui n'est d'ailleurs pas totalement faux. Résultat, l'AMF, qui est donc l'Association des maires de France, s'est rebellée, mmh. saisit le Conseil d'État pour contester euh, euh, ses euh, décrets. décrets pardon. <laughs> Euh, et puis vous savez que dans ce qu'on s'en prend euh, aux maires, aux collectivités locales, le Sénat ne tarde jamais trop à monter à leur secours. Et donc ils ont, ça c'était en mars, déposé une proposition de loi pour adoucir, arrondir un peu les conditions euh, d'application euh, ZAN. On peut donner un exemple par exemple. Si euh, l'État décide d'installer un grand projet sur votre commune sans que vous l'ayez décidé, il ne faudrait pas que ça vous grille votre crédit de terrain. Donc les maires ont quand même le droit de garder euh, euh, leur crédit pour faire des projets euh, personnels. Puis vous savez qu'il y a 36 000 communes en France, donc 36 000 cas différents. Et donc on a aussi prévu pour les petites communes euh, des exceptions pour pas qu'elles enfin, qu écoutent les mêmes règles que Paris. Bref. Vu que le gouvernement n'a pas l'intention de se fâcher ni avec le Sénat ni avec les collectivités locales, bon, Christophe Béchu a assez vite trouvé un compromis avec les sénateurs pour que le texte donc, soit un peu aménagé et puis surtout voté devant l'Assemblée où il est examiné euh, en ce moment. On croyait être sorti du tunnel, mais voilà qu'une nouvelle dissension apparaît cette fois-ci au sein même du gouvernement. Ben, Christophe Béchu, bon il est quand même ministre de l'Écologie après tout, donc l'idée que les maires euh, ne soient pas prisonniers des projets que l'État installe chez eux, à la limite, il peut comprendre. Mais il ne veut pas que les usines échappent euh, complètement euh, aux ânes. Sauf que pendant ce temps-là, il y en a qui essaient de réindustrialiser la France. Alors forcément, ils ne sont pas contents. On les écoute. Je suis favorable à ce que les projets d'industrie verte, que ce soit les projets d'intérêt national ou les autres projets de PME et d'ETI, soient exclus du calcul. C'est ma position, je le dis très simplement, sa position du ministre de l'Économie et des Finances, elle n'est pas encore définitivement arbitrée. Ah, ah suspense, qui emportera. ce qui l'emportera Est-ce que Christophe Béchu aurait plus d'influence au gouvernement que Bruno Le Maire Je sais pas. En tout cas, Bruno Le Maire, il peut compter, a priori, sur le soutien de LR ou au moins d'Olivier Marleix, qui n'a pas l'air de porter le ZAN dans son cœur, on l'écoute. Aujourd'hui, on le voit dans nos territoires. Euh, euh, on n'est plus capable d'implanter des grandes entreprises parce qu'on n'a plus de foncier, on n'a plus de réserves et on nous interdit d'en consommer. Mais le zéro utilisation, c'est de l'écologie radicale et le gouvernement est, est otage de cette, de cette écologie. – Alors, je vais vous laisser débattre, mmh. bien sûr. Juste un petit détail, peut-être à l'attention de nos téléspectateurs. En septembre, ce sont les élections sénatoriales. Mmh. C'est peut-être pour ça que tout le monde est au chevet des campagnes. – Ah oui, se sur le vous cas. croyez Vous oh, êtes chacun je... bah Justement, merci beaucoup euh, Stéphane. Je commence avec mmh. vous euh, sur le contexte euh, dans lequel justement ces, ces remises en cause de ce ZAN euh, arrive. Il euh, y a, y a la campagne des sénatoriales, et puis il y a la crise du logement. Voilà, Ça arrive dans ce moment-là très particulier. Ça milite pour quoi à votre avis, pour d'urgence revoir ces dispositifs ou se dire attention, récupération Écoutez, je pense que la première des choses, euh, déjà, c'est de se dire que la France est le plus gros consommateur foncier d'Europe. C'est 15% de plus qu'en Allemagne et c'est 57% de plus qu'au Royaume-Uni, qui a pourtant une population qui est semblable. Ce qui veut dire que sur les 50 dernières années, on a beaucoup artificialisé, de par le modèle qui a pu être... Alors j'ai lu, mais je ne connais pas bien le sujet, donc je vous interromps, mais on fait de la pédagogie. 9%... Euh, en France de zones artificialisées sur, sur l'ensemble du territoire. Moi, je, je vois ce chiffre, je me dis, bah, ce n'est pas, pas, pas beaucoup, je me trompe. – Il faut se rappeler pourquoi est-ce qu'on a adopté la loi climat. Euh, derrière ça, c'est des enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation euh, également euh, du stockage euh, du CO2. Il euh, y a également des enjeux de cycle de l'eau, Mmh. sont à prendre en compte. C'est-à-dire qu'un sol, une fois qu'il est artificialisé, il ne remplit plus sa fonction première sur le plan environnemental. Et il ne capte le, la plus loi climat, c'est exactement ça. Et, et la loi climat, elle a justement cette ambition de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans des excès qui auraient un impact significatif en matière de réchauffement climatique. Alors après, on peut la caricaturer. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer euh, sobriété foncière et construction. On peut euh, continuer à construire, il faut simplement repenser nos modes de construction, et c'est tout l'enjeu de la loi climat et du texte qu'on a euh, également. Oui. À la question, c'est est-ce que les temporalités euh, euh, sont compatibles Il y a besoin de logements tout de suite. Euh, alors, Aminanda Nyakate, pardonnez-moi. Euh, D'abord, je voudrais comprendre, euh, on dit 9% d'artificialisation, euh, a priori c'est peu, mais le problème français, c'est l'étalement. Urbain, c'est ça qui est le plus mauvais pour l'environnement. Ces fameux pavillons, cette France périphérique avec des zones industrielles, des zones commerciales qui fait que finalement, même si c'est 9%, si c'est disséminé partout, ça ne donne pas de bonne terre. Bah, c'est certain que l'étalement urbain est un problème pour la, la pleine terre qui remplit un certain nombre de services écologiques et pour une fois, je suis d'accord avec ce que vous dites, qu'il y a des enjeux sur l'eau, il y a des enjeux sur le sur le climat et, euh, et on doit lutter contre euh, bah, ce, ce, le plus grand enjeu du, du siècle. Et, euh, et, et évidemment, il faut revenir sur... Enfin, il faut, il faut garder cette loi, c'était une bonne idée. Mm -hmm. La loi climat, le problème, c'est euh, le manque de pilotage, de, les, les collectivités sont livrées à elles-mêmes, euh, pas pensé à, à la bonne échelle et moi je crois euh, fondamentalement fait que donc c'est mal fait. La loi est mal faite. Bah, vous êtes écologiste, vous, vous... Les collectivités sont livrées à elles-mêmes, etc. Et puis, en plus, les, les maires sont assez dépendantes du foncier en termes de revenus. La taxe d'habitation a disparu. Elles dépendent de la taxe foncière. Elles dépendent aussi de la, de la CFE, de la contribution foncière. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on euh, n'a pas, évidemment, en fonction des villes, la, la même densité, en fonction des zones euh, et rurales, et en sérieux. fonction... Et, et pourtant, l'objectif est le même pour tous. Euh, c'est ça Monsieur le maire, comment on explique au fond cette règle un petit peu, euh, je veux dire, voilà, euh, égalitariste bah, en fait, c'est tous les impensés de la loi. La trajectoire ZAN, c'est en fait, quoi C'est la réduction de l'extension urbaine. C'est protéger les terres naturelles. Tout le monde la partage. Je pense qu'autour de ce plateau, personne ne dira qu'il ne faut pas artificialiser moins de terres. Le problème qui se pose, c'est le financement du ZAN, aujourd'hui, qui pose un vrai sujet sur le logement. Et c'est le détail d'un texte qui a été mal fichu. Euh, la loi d'août 2021 et encore plus ses décrets d'application ont un certain nombre d'aberrations qui, sur le terrain, très concrètement, bloque tout. Quand on compte, par exemple, le jardin d'un pavillon comme étant artificialisé, ça veut dire que dans des villages, on les vitrifie. On va perdre de la population et on va fermer des écoles. On a toute une série, en fait, de euh, types de règlements qui ne vont pas, non pas sur l'objectif cherché, mais vraiment sur la méthode. Dans les choses qui peuvent effectivement choquer, c'est on met tout le monde à la même, la même à, à, à la même enseigne. Que vous ayez été très vertueux depuis des années, que vous ayez réduit très fortement votre artificialisation depuis des années ou qu'au contraire vous ayez tartiné de l'étalement urbain, on vous impose la même règle on divise oui, donc par deux. En, les bons donc, élèves sont pénalisés ils se, il se retrouvent totalement pénalisés on ne tient pas compte de la densité de population, du potentiel de développement économique. Si on prend Paris, c'est la septième capitale la plus dense au monde l'île de France pour le secteur intra-métropolitain les, les départements de petite couronne c'est la métropole la plus dense en Europe et on, alors qu'à l'inverse on a des secteurs très, très ruraux et donc en fait on applique la même règle à tout le monde. C'est tout toute la question, en fait, qui doit être tranchée aujourd'hui par les modifications de loi et de décrets, mmh. c'est de remettre un peu de méthode dans un principe que tout le monde partage. Ouais, on verra comment dans un instant, parce qu'il faut qu'on comprenne comment ça, ça se passe sur le terrain. Mathilde Panot, on, on a une écologiste qui nous dit la loi euh, est bonne dans son objectif, objectif, mais pas forcément dans les moyens pour y parvenir. Déjà, déjà pour qu'on comprenne tous. Là, euh, je, je veux citer un rapport qui a été rendu par la Fabrique écologique, qui montre que l'artificialisation des sols qui a été fait a été fait à 70 sur des terres qui étaient euh, agricoles et qui étaient euh, bonnes pour euh, la souveraineté alimentaire de la France. Donc, ça, par exemple, c'est euh, un objectif d'arrêter complètement ça, d'artificialiser sur des terres agricoles. Je pense que c'est très important. On a perdu 2,4 millions d'hectares agricoles depuis 1982. Donc, c'est un objectif pour la souveraineté alimentaire. Sur la question du cycle de l'eau et notamment les inondations qu'on voit très fréquemment et de plus en plus fréquemment sur notre territoire sont liées à un problème d'infiltration euh, des eaux. Euh, je crois que sur les objectifs, fait... tout le monde. Euh, oui, mais, est mais, je, mais je les redis quand le même bâtiment, parce que c'est l'un un... des premiers responsables le de Le dis quand même parce climatique. que c'est quand même important pour que tout le monde comprenne pourquoi est-ce que cet objectif il est important et il est important à tenir. Mais sur la mise en œuvre. Alors, après, sur la mise en œuvre, là où je partage des choses, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, les maires ruraux qui ont dit nous avons besoin d'un plan Marshall sur la rénovation euh, du Bâti qui est aujourd'hui vacant. Vous savez qu'on a 3,2 millions de logements qui sont vacants dans notre pays. Et lorsque vous avez par exemple des maires de communes rurales qui disent par exemple j'ai cinq euh, euh, maisons qui sont en ruine dans mon village et je n'ai pas le les moyens de pouvoir les rénover. Et donc il faut un plan Marshall, un plan de financement pour aider, euh, un plan aussi d'ingénierie de, de l'État pour aider à ce qu'on rénove et qu'on fasse en sorte de ne pas artificialiser des nouvelles bon, terres. Alors je vois que c'est beaucoup même que la question sur de les questions des moyens financiers. Sur les questions systémiques qui ne sont pas pensées, sur la question de rapprocher les lieux de travail et les lieux de vie ainsi que les services publics, ça, c'est une chose qui, en termes. Justement, de ne pas refaire des routes de partout, des autoroutes qui, là aussi, artificialisent souvent des terres agricoles, est une chose importante qui est là aussi un impensé Alors, va... et qui nécessite ce que, que nous On va partir sur le terrain, écologique. on va aller voir un, un reportage en, en Bretagne, on reviendra sur le concret avec le maire. Mais pour terminer le tour de table, F. d'abord, cette grogne, euh, qui monte. Vous, vous avez enquêté, vous les avez rencontrés, euh, les maires, elle, est, euh, elle dépasse les clivages politiques, euh, elle concerne qui en particulier, plutôt les petites communes rurales au détriment des, des grosses villes moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de maires qui sont très favorables à l'objectif et qui le mettent en œuvre déjà depuis des années. Euh, il faut voir que, certes, on a beaucoup artificialisé, tout à fait, depuis les années 70, hein, qui correspond à un modèle d'urbanisation, euh, on le sait, avec les centres commerciaux à l'extérieur, le pavillon, etc., financé par des dispositifs publics hein, d'accession à la propriété, euh, mais euh, ça a diminué quand même depuis une dizaine d'années. Il y a eu, un... de nouveau, c'est remonté un peu après le Covid, Bon, le Covid avait tout gelé, mais quand même, il faut reprendre quand même un chiffre. Euh, vous avez dit 9% de surface artificialisée. Moi, j'ai regardé la dernière enquête qui fait foi c'est l'enquête Teruti. c'est 7,9% exactement. Donc, c'est moins de 8% de la France qui est urbanisée. Sachant que la France est quand même un des pays peut-être qui a le plus en rythme artificialisé, mais qui est aussi un des plus grands pays d'Europe et le moins dense. Donc voilà. Et ça remet en cause l'objectif. Non, 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 non. L'objectif, enfin moi, je... il est formidable cet objectif. C'est important d'en avoir un. Euh, mais... Mais un, ça reste un objectif. Après, oui, effectivement, les moyens, comment on y arrive, etc. Et mais sur la fronde, parce qu'on l'entend cette levée de bouclier, c'est plus la droite. On sait que l'AMF, l'Association des maires de France, en a, a fait un cheval de bataille. Ou c'est vraiment toute une question pragmatique, concrète, euh, notamment dans la ruralité. C'est mal fait, euh, c'est mal pensé, euh, c'est mal financé. Je saurais pas dire euh, si c'est. Oui, effectivement, l'AMF, David Lisnard était très ouais en pointe sur le sujet, euh, mais. Non, enfin, moi j'ai rencontré beaucoup de mères pour qui, qui sont en train de réfléchir, qui déjà réfléchissaient comment on fait concrètement. Effectivement, il y a l'idée qu'on va recycler spontanément on va davantage recycler les friches pour éviter d'artificialiser. De, 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 et ça, c'est aussi encouragé par le gouvernement. Il y a des fonds pour ça, il y a le fonds Friche, etc. Donc, il y a quand même des financements qui existent euh, et, des, et qui le pratiquent déjà, hein, vraiment. Euh... Oui. Ils ré réfléchissent à chaque fois. On... Évitons, évitons... évitons le... C'est moins l'étalement que le mitage. C'est quoi la différence Pardonnez-moi, mais mitage, étalement, bah, pour mitage, moi, c'est mitage, c'est vraiment euh, le pavillon seul qui va être loin et qui va, du coup, obliger à tirer des réseaux, faire une, une route, etc. Donc, ça, c'est... Euh, cet émiettement, disons, euh, est néfaste. Après, l'étalement, c'est devenu un peu un mot euh, voilà, épouvantail, euh, mais euh, on, on, enfin, les Français aussi ont besoin de se loger. Et si possible, en priorité, dans les logements neufs qui existent, hein, il y a 3 millions de logements, euh, pardon, les logements, euh, je voulais dire, vacants, oui, bien sûr. Euh, notamment de Centrebourg, il y a 3 millions de logements vacants, donc ça, c'est vrai que ça devrait être la priorité. Le gouvernement vient de flécher le PTZ Alors, de, dans cette direction d'ailleurs. Ouh là là, pas trop de Pardon. sigles, s'il ouais, vous plaît, déjà avec le ZAN, c'est suffisant. On part en Bretagne et je vous redonne la parole juste après. En quoi ce, cet objectif du ZAN eh bien, oblige les élus concrètement sur le terrain et pourquoi ça coince Caméra embarquée avec Pierre-Michel Carniel, André Lafont, à loc malostin c'est un petit village dans le Finistère. Regardez. Voici une espèce en voie de disparition, le pavillon, si cher aux Français. Avec la loi climat, il ne pourra bientôt plus rogner sur les terres agricoles. Le maire de Locmalo a conscience qu'il devra changer ses habitudes en ce qui concerne la délivrance du permis de construire et l'aménagement de son territoire. Il va falloir quand même travailler différemment, densifier, euh, peut-être moins de voiries, les euh, espaces verts un peu plus restreints, mais peut-être mieux travaillés. Voilà, des choses comme ça. Et puis ben, sur des zones plus urbaines, de faire en effet du, du bâti à deux à plusieurs niveaux avec des fonctionnements, peut-être de la personne âgée en rez-de-chaussée. Un changement dû aux fameuses ZAN. Car comme les autres communes, Loc Malo devra diviser par deux la surface des nouveaux terrains à construire d'ici 2031. Aucune nouvelle terre ne pourra devenir constructible à partir de 2050. Un casse-tête pour le maire du village de 900 habitants avec peu de moyens. Ce qui peut être angoissant, c'est le, le manque d'ingénierie et le manque de financement. Pour renaturer par exemple un vieux parking, y faire du logement ou y faire un parc ou y faire, voilà, pour, pour en compensation, il va falloir de l'argent qu'on n'a pas forcément. Enfin, pas nous en tout cas, les petites communes. Et également le manque d'ingénierie, sur des petites communes où il y a... Une personne en secrétaire de mairie et, et peut-être deux. Euh, et, et pour le coup, c'est hyper compliqué en milieu rural. Euh, c'est ce qui nous manque le plus. Pourtant, le maire a déjà pris les devants et entame la transition écologique de Loc Malo. Salut Richard La commune a racheté de vieilles longères. Elles sont réhabilitées avec l'aide d'un architecte. Ouais. Merci d'être venu. Il n'y a pas de souci. En plus de valoriser le patrimoine, l'objectif est de rationaliser l'espace en favorisant les logements à étage. Voilà, Aujourd'hui, on va en faire une médiathèque on va en faire trois logements euh, communaux pour des personnes euh, ayant peu de moyens. Réhabiliter coûte plus cher que de construire du neuf, ouais. mais pour l'architecte, le projet revitalise le cœur de la commune. C'est pas moins cher, mais par contre on valorise un bien, c'est tout un cadre en fait qui est valorisé, c'est-à-dire que là où on va peut-être faire du neuf, des pavillons neufs, admettons dans un bourg, euh, qu'est-ce qu'on construit euh, dans le bourg On construit simplement un dortoir, on, on construit un, un lieu de vie, euh, une, une activité au cœur de bourg. Locmalo ne compte pas s'arrêter là, la commune va racheter et réhabiliter d'autres vieilles bâtisses pour continuer de se développer sans toucher rotaires agricoles alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous vous reconnaissez, j'imagine, dans les difficultés de ce maire, même si sa oui. ville est plus petite que la vôtre Que ce soit moi ou des collègues, en fait, déjà, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est contrairement à ce qui est dit, la division par deux, ce n'est pas pour chaque commune, c'est pour chaque région. Alors voilà. Il y a des communes qui ont zéro, qui ne peuvent plus rien faire. Il faut, il faut expliquer ça, parce que l'objectif est national, mais il est aussi local, c'est-à-dire qu'il qu est, est, est décliné dans décliné les départements, dans région. les régions. Et chaque région doit diviser par deux sa consommation foncière par rapport à la dernière décennie. Et donc, selon la répartition qui est faite, il peut très bien rester zéro pour une commune. C'est-à-dire qu'une commune ou un village peut se retrouver à ne pas avoir une division par deux, mais à ne plus avoir un mètre carré d'extension. Si on prend l'exemple des grands projets qui étaient évoqués tout à l'heure, le canal Seine-Nord, pour les Hauts-de-France, c'est quelque chose qui, si ça n'est pas sorti des comptabilisations de la région, prend quasiment toutes les possibilités oui. d'extension de la région. Pour ça que Et en fait, le débat rurale, technique qui porte, il est là-dessus. Mmh. Il n'est pas sur le fait de dire on fait des efforts, on consomme moins il est vraiment sur, la sur les déclinaisons techniques. Il y, y a un contrôleur. On dit que c'est le préfet qui doit valider les plans locaux d'urbanisme. Qui joue un petit peu les. Les, voilà, les empêcheurs de tourner en rond, c'est lui le préfet Alors, qui, qui, qui essaye de, de vérifier que l'objectif du ZAN est bien respecté ?– Actuellement, il n'est pas mis en œuvre, c'est-à-dire que la loi date de 2021, la diminution de trajectoire, il est sur 2021-2030, et c'est aux régions, chaque région doit mettre en place le ZAN sur son territoire. Et ensuite, les communes auront trois ans sur leur PLU pour se mettre en conformité, c'est-à-dire que en fait, le PLU, c'est quoi Le PLU, c'est le plan est la local d'urbanisme. De planifier commune, ce qu'on va faire, c'est ça Chaque commune planifie. Où est-ce qu'on peut construire Où est-ce qu'on ne construit pas Où est-ce qu'on fait des équipements publics Où est-ce qu'on fait du logement Quelle densité de logement à la parcelle Quelle quantité d'espace vert à la parcelle mm -hmm. Et en fait, la réalité, c'est que les PLU D'application d'USAN ne sont pas encore en construction aujourd'hui. Ce qui est en construction aujourd'hui, c'est les trajectoires régionales. Alors je vais vous dire, des SRADET, des drifts. c'est horrible, c'est Donc, des ça, ces trajectoires terrible. régionales, elles, elles ont une force contraignante Elles ont une force euh, Elles sont décidées contraign... au Conseil Alors, régional Là encore, on est sur quelque chose de très compliqué. Je suis désolé, mais en Île-de-France, c'est contraignant. Depuis 40 ans, pour les régions hors Île-de-France, ça n'était pas contraignant historiquement, et ça va le devenir. C'est aussi ce qui fait que crisp... hors Île-de-France, il y a une crispation, et une peur terrible, parce qu'il n'y avait pas de contrainte régionales. et c'est quelque chose qui est une révolution culturelle. Mmh. Alors, on va aller sur les assouplissements. Si je comprends bien, l'idée, c'est de garder l'objectif, mais de mieux le mettre en œuvre, peut-être en, en, en faisant des, des exceptions, ou en tout cas en sortant un certain nombre de secteurs euh, de la comptabilité de la région. Ça, Déjà sur la ruralité. Les sénateurs, ils mettent en avant la garantie rurale. C'est quoi C'est un hectare préservé pour ces petites communes, pour qu'elles n'aient pas, au fond, les mêmes règles que les, les plus grosses cette idée de déroger, c'est la proposition de loi du Sénat. Du Sénat. Ce n'est pas l'orientation qu'on a prise, et le texte qui a été voté en commission pas plus tard qu'hier ne retient pas cette idée de déroger. Pourquoi On l'a dit, il y a des considérations environnementales. On les a adoptées il y a deux ans. Elles sont pour 30 ans. On ne va pas, deux ans après, d'ores et déjà, commencer à dire qu'on ne va pas les respecter, alors même qu'on n'a pas commencé à les décliner. Mais alors, si expliqué. je comprends bien, parce que c'est compliqué. L'idée, c'est d'être respecté, mais sans imposer que cette comptabilité. Euh, de, de baisse de trajectoire euh, du, de l'artificiation soit prise sur la commune ou euh, sur, sur la région. Il y a un gâteau commun et on fait une part à part, si je a, comprends bien. Il y a deux enjeux. On a 125 000 hectares de droits à construire sur la période 2021-2031. C'est deux fois moins que sur les, la décennie précédente. Ces 125 000 hectares, on vient en déduire une enveloppe forfaitaire dans laquelle on a identifié des projets d'intérêt nationaux et d'envergure nationale ou européenne. Ces projets, ça va être euh, la transition énergétique, ça va être euh, le développement de lignes ferroviaires, par exemple, ça va être aussi l'industrie verte. L'objectif, c'est de pouvoir garantir que ces projets vont bien se réaliser. Et c'était l'une des attentes, je pense, qui a été exprimée également par euh, M. le ministre Bruno Le Maire. Euh, donc là, on répond à cette attente. Donc ça en veut dire que vous que sortez de la comptabilisation et, non, on la non la sort du DAM On non. prend les 125 000 qui sont les droits à construire globaux nationaux. Ce veut, Bruno Le Maire. Et ça. Mais ce que veut Bruno Le Maire, je pense, c'est que les, ces projets-là puissent se faire. Et là, on vient le garantir en les mettant dans un forfait on les déduit des 125 000 et ensuite les 110 000, on les répartit entre l'ensemble des territoires et c'est ensuite décliné par les régions. Et à un niveau plus, plus infra. En gros, les, les industries vertes seront soumises aux ânes, mais sans pénaliser les communes, par exemple, d'à côté. En fait, pour expliquer, pour expliquer, Bruno dit Bruno Léa, Léa, en hein. fait, mmh. il y a une enveloppe, et cette enveloppe, c'est la garantie qu'on tienne l'objectif. Sinon, c'est comme d'habitude, on se donne un objectif et jamais on ne l'atteint, mmh. notamment parce que les moyens ne sont pas donnés en ingénierie, euh, en financier, en investissement, etc. En gros, vous avez. Le ministre Béchu qui dit il faut tenir l'enveloppe pour tenir l'objectif, même si on ne met pas les moyens derrière. Donc il euh, y a un petit côté hypocrite, mais voilà. Et euh, vous avez Bruno Le Maire qui dit je veux que on sorte certains des projets de l'enveloppe, donc euh, en quelque sorte il y ait l'enveloppe, plus plein d'autres choses qui fait, et la garantie que euh, l'enveloppe ne sera pas tenue. Et donc que les objectifs sur l'artificialisation, mmh. sur la question d'aggraver de, 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 le réchauffement, Alors, pas de rendu, etc. Hein. Mmh. Eh ben, c'est ça. Donc, c'est ça, en fait, le, le rapport de force la, qui est en train de la, se la, jouer. La position, position aujourd'hui, elle est claire, puisque le texte que l'on a adopté hier en présence du ministre et suite à des réunions qui ont eu lieu en interministériel, elle a été celle-ci, de dire nous avons une comptabilité nationale du droit à construire, on en déduit les projets d'envergure nationale et ensuite on répartit le droit à construire. Donc, c'est Christophe Béchu qui a gagné l'arbitrage. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Là où on gagne, c'est de garantir que ces projets-là puissent se faire, puisque c'est des projets de politique publique qui sont structurants à l'échelle du pays et on souhaite qu'il se fasse. Et après, pour vous répondre sur la ruralité, euh, c'est l'enjeu, évidemment, de la garantie rurale. Ça a été dit tout à l'heure. Vous pouvez expliquer risque, ce que c'est, la garantie rurale le, le risque qu'il y avait, c'est qu'on avait des communes qui avaient très peu artificialisé euh, lors de la décennie précédente, qui mécaniquement se retrouvaient avec très peu. Et euh, c'est ce qu'on appelait les bons élèves, quelque part, voilà. qu'ils avaient été sobres sur le plan foncier. Demander les mêmes efforts alors qu'il y a très, très peu de C'est de veiller à un bon équilibrage territorial en termes de répartition de ces fameux droits à construire. L'objectif de cette garantie rurale, c'est de donner un hectare. C'est ce que proposaient les sénateurs. On a eu le débat hier et il aura lieu également en hémicycle. Mais finalement, c'est pas tant euh, le, de savoir si c'est un hectare ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir qui en bénéficie et à quelles conditions. Aujourd'hui, l'orientation qui est prise, c'est de faire en bénéficier les communes, désolé, c'est un peu technique, mais les communes dites peu denses ou très peu denses mmh. au sens de l'INSEE, mmh. à savoir, concrètement, ça représente 31 000 communes en France qui se verront garantir un droit à construire minimum d'un hectare. Et il y a un autre élément qui est quand même déterminant, c'est que cette logique que l'on trouve à l'échelle nationale, pour les projets d'envergure nationale, on souhaite pouvoir la décliner en faisant confiance et en laissant la liberté aux élus locaux, de pouvoir la décliner également à l'échelle régionale et à l'échelle intercommunale. D'accord. Vous la liberté assouplissez quand même, des il y a plus d'autonomie. On assouplit dans la mise en œuvre parce que oui, il y avait un enjeu de tenir compte de la particularité et des spécificités de chaque territoire. Après, j'entends aussi les enjeux de, de financement. Je pense qu'il y a des enjeux de fiscalité sur le foncier également qui vont se poser parce que mécaniquement, on va avoir une raréfaction foncière et des phénomènes de spéculation ou de rétention qu'il nous faudra traiter. Je pense que le PLF peut être un bon lieu pour en parler. – projet de loi de finances. – on, on le voit, il y a plein d'autres considérations. – Il y a des toutes petites pas... communes qui craignent que l'attractivité économique soit vraiment réduite à zéro, qui ont besoin de construire. – D'où l'enjeu de ce texte. Et si je peux juste terminer, Bien je, sûr, je ne pense y. pas qu'il faille euh, opposer euh, le, les objectifs du ZAN, sachant que le ZAN c'est pour 2050, hein, on n'y est pas encore, donc quand, quand on parle de crise du logement, en l'occurrence euh, il a le dos large mais il n'a encore rien à voir là-dedans. Euh, je ne pense pas qu'il faille opposer euh, logement et euh, ZAN. Je ne pense pas qu'il faille se dire euh, que mieux construire ça veut dire ne plus construire. On a quand même un droit à construire qui sera encore significatif et, et quand on évoque euh, par exemple une moyenne de 8 logements à l'hectare. C'est la moyenne de ce qui a été construit sur les dix dernières années. Huit logements à l'hectare, ça fait des parcelles moyennes de plus de 1000 m2. Et on tient compte des métropoles dans ce, dans ce décompte-là. Donc on le voit quand même qu'on a une marge. Diminuer de moitié, il suffirait, c'est très trivial, hein, mais il suffirait de diminuer par deux la surface moyenne. Euh, des, des terrains qui accueillent euh, des maisons individuelles pour le régler sur la période euh, des 10 ans qui arrivent. Donc pour vous, euh, on n'est pas du tout dans, dans l'alerte, on n'est pas dans une usine à gaz parce épouvantable. Que dis, non, parce qu'est-ce qu'on entend on, sur le terrain On a quand même aussi, à côté de ça, 170 000 hectares de friches. On a un vrai problème de, 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 de rénovation énergétique sur lesquelles des moyens conséquents sont mis. Donc on a encore la marge de construire... Alors Bruno Le Maire n'y croit pas, l'industrie verte sur les friches actuelles, mais j'entends que ce n'est pas lui qui porterait, euh, voilà, in fine, euh, cet arbitrage. Aminata Nyakate, euh, on entend, voilà, l'objectif et cette majorité tient. Euh, mais il y a des assouplissements, notamment la garantie rurale. Ça va dans le bon sens pour les écologistes bah, Moi, c'est vrai que quand j'entends euh, parler de, alors on continue euh, la cadence sur les grands projets, euh, les opérations internationales, les grands projets inutiles, etc. Type, j'imagine que l'autoroute A69, vous la mettez dedans, donc je, je suis assez inquiète de ce que ça peut donner euh, réellement. Enfin, euh, aujourd'hui, 30% des nouvelles artificialisations concernent les commerces, les bureaux, etc. Et j'ai l'impression qu'on continue, on continue comme avant. Et puis aussi. Euh, un autre, un autre aspect, c'est que sur les, les nouvelles artificialisations nettes qui arrivent, les constructions et donc la promotion immobilière, ça concerne très souvent des, des zones très faibles en tension sur le logement ou, ou des, des zones en démographie qui baissent. Et, et donc là où il y a des besoins, c'est n'est pas là qu'on artificialise. Donc il y a un vrai problème de pilotage et de planification. – Bon, qu'est-ce que vous pensez de ces différents, ton sens, assouplissements à l'œuvre hein, ce, ce qui est très bien expliqué par Monsieur le député non, que ce soit les propositions de loi actuelles ou les décrets, c'est des choses qui, pour nous, vont plutôt dans le bon sens, qu'en fait, ça vient remettre un peu de bon sens, un peu d'huile dans les rouages d'une mécanique, encore une fois, que tout le monde partage. Mmh. Mais il reste où, la question après, du financement. Là où ça ne répond pas, c'est sur les impensés par rapport à la production de logements, et notamment de production de logements sociaux, parce que euh, produire du logement social, quand le foncier se raréfie, que le foncier vaut plus cher, c'est encore plus dur que de produire du logement privé. Mmh. Et puis, globalement, on parle beaucoup des friches, on pourrait parler des zones d'activité économique hors qualification, de la transformation Bureau logement, mais tout ça, ça coûte plus cher que la construction ex nihilo. Et donc, ça veut dire qu'il faut travailler les régimes fiscaux ou les simplifications qu'on peut apporter là-dessus. Ouais, un mot de conclusion. Ben, pour avoir suivi le dossier depuis euh, le 24 août 2021, le vote de la loi climat résilience, euh, ça avance. Ça avance. Je veux dire, ce, cet acronyme, ça y est, les gens le connaissent, se le sont appropriés. Et on est en train de changer notre manière de penser, d'urbaniser, etc. Et ça, c'est quand même vraiment très positif. Au-delà, voilà, de la question euh, du comment, de, oui, du comment, etc. Et ça va se régler en fait. Je pense que petit à petit, la ça va se régler. On va trouver une bonne manière de faire, une, une bonne intelligence, euh, en déclinant effectivement les objectifs au niveau nationaux, régionaux, intercommunaux et, – Voilà, bah, euh... écoutez, on s'arrête là. En tout cas, cas, moi, j <laughs> je vous remercie parce que ce n'était pas simple à comprendre au départ et c'est beaucoup plus clair ce soir. Merci, merci beaucoup d'être venu euh, débattre sur euh, LCP. Vous restez avec moi, Mathilde Panot. Dans une dizaine de minutes, les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le regard du philosophe Pierre-Henri Tavoyot sur euh, la polémique récente sur les jours fériés. La plume acérée de Vincent Hugieux sur euh, la visite en France de Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et puis, nouvel épisode de notre série Bourbon Express spéciale an, Marco Pommier, de quoi nous parlez-vous ce soir eh ben Ce soir, je vais vous parler du name and shame, une arme politique redoutable. Vous Merci messieurs, à tout à l'heure. Mais d'abord, on va revenir avec vous, Mathilde Panot, sur les un an des insoumis au Palais Bourbon. Vous étiez 17 dans la précédente législature, vous voilà désormais 75, première force de la Nupes, mais sans Jean-Luc Mélenchon, dont l'ombre, il faut bien le dire, plane encore sur votre groupe. Alors, qu'avez-vous fait de ces un an Regardez, c'est dans l'invitation de Marion Becker, on en parle en Ensemble, juste après. Si on vous invite, Mathilde Panot, c'est pour revenir sur l'année de la France insoumise à l'Assemblée. Car vous êtes la présidente d'un groupe d'opposition qui sait se faire entendre, quitte parfois à électriser les débats. Vous êtes un imposteur et un assassin! Vous gérez 74 députés insoumis et dans l'hémicycle, ils portent bien leur nom. Vous êtes devenus les champions des rappels au règlement et des sanctions. Monsieur Boyard, je vous rappelle à l'ordre. Je prononce à votre rencontre un appel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Au-delà de ces coups d'éclat, vous faites entendre votre voix contre la politique et les méthodes du gouvernement. Vous êtes vous-même sans concession et reconnu pour vos talents d'oratrice à la tribune. Depuis un an, de 49,3 en 49,3, vous assurez le service après vente des caprices du président de la République. En l'espace d'un an, vous avez fait de notre pays une poudrière. Bravo, Madame la Première ministre. Quel anniversaire Pendant les retraites, les débats sont survoltés. Votre méthode assumée, c'est l'obstruction parlementaire. Et derrière, c'est Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles. Peut-être un peu trop pour certains députés du groupe. Sur l'affaire Katnins, qu'ils auraient aimé voir davantage écartée après sa condamnation pour violence conjugale. Sur le fonctionnement du parti, jugé trop vertical. Et sur la stratégie. Alors Mathilde Panot, vous devez composer avec ces frondeurs, vous, la fidèle de Jean-Luc Mélenchon. Votre victoire à vous cette année, c'est l'adoption de la constitutionnalisation de l'IVG. Je suis très très émue à la fois de ce vote et de ce signal historique que l'Assemblée nationale sonore a envoyé à toutes les femmes de notre pays. Un texte rassembleur qui contraste avec les propositions de loi clivantes du groupe, qui sont l'occasion pour vous de faire du buzz, comme celle sur la Corrida ou la réintégration des soignants non vaccinés. Alors on a une question pour vous, Mathilde Panot. Vous relayez la colère de l'Assemblée, mais n'est-ce pas au détriment de l'adoption de vos propositions de loi Réponse. Mathilde Alors déjà Panot. non, parce que ce n'est pas pour faire du buzz et je voudrais insister là-dessus. Lorsqu'on se bat pour l'abolition de la corrida, ce qu'Emeric Caron a porté brillamment pour notre groupe, c'est parce que nous pensons qu'il est urgent d'abolir la corrida notamment pour des raisons de bien-être animal dans ce pays, et que par ailleurs 87% des Français sont favorables à ce que enfin on abolisse la corrida. Quand nous parlons de la réintégration des soignants qui ont été suspendus parce que non vaccinés, nous pensons notamment à la situation en Outre-mer et aux Antilles spécifiquement ou en Guyane où euh, le, le système de soins s'effondre parce que beaucoup de gens, notamment parce qu'ils ont vécu le scandale du chlordécone, ne voulaient pas se faire vacciner. Donc, vous avez quand Donc... même l'art de les fabriquer ces propositions de loi vous êtes le groupe politique dont les propositions de loi sont les plus médiatiques à chaque fois que vous en proposez une et c'est un talent elles sont reprises partout oui. parce qu'elles ont l'art de frapper les esprits la conflictualité ça c'est un principe d'action euh, dans l'hémicycle euh, c'est une théorie une stratégie que vous assumez pleinement vous avez vu qu'on n'a pas mis dans le sujet la séquence retraite parce qu'elle reste en mémoire euh, des français vous n'avez pas le sentiment au fond que cette stratégie n'a pas payé si elle a payé regardez nous étions 17 nous sommes 75 mais là, c'est après les retraites. Et quand vous prenez... Oui, mais on nous a dit la même chose la dernière fois. La dernière fois, sur la dernière bataille retraite que nous avions gagnée... On, les ministres inventaient que nous avions fait 100 000, 200 000 amendements, des choses absolument incroyables, et on nous avait fait la même diabolisation. Vous avez quand même Exactement participé à la une même. forme d'obstruction pour empêcher l'article 7, le fameux oui. report nous de l'âge légal. Et vous l'assumez. Nous avions eu raison, parce que c'est ce qui a laissé du temps au mouvement social de pouvoir s'organiser, c'est ce qui a laissé du temps aussi pour un rapport po populaire, un rapport de force populaire de se faire, et notamment, c'est grâce à ça que des députés LR ont changé d'avis. Et aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils nous ont empêchés de voter l'abrogation de la retraite à 64 ans dans le cadre de la niche qu'aujourd'hui, nous sommes majoritaires à l'Assemblée pour vouloir l'abrogation de cette réforme. Quand des François retraites. Ruffin dit par exemple qu'il ne veut plus hurler sur les bancs de l'Assemblée, ça ne sert à rien, ça renforce le RN. Ce sont ses mots. Il a complètement tort. Je crois que nous avons dans, dans le groupe parlementaire, et c'est une de nos grosses forces, nous avons des complémentarités. Vous avez euh, des gens qui sont euh, un facteur d'identification magnifique. Je suis fière à un point que vous ne pouvez même pas imaginer que Rachel Keke soit députée. Rachel Keke, première femme de ménage, femme victorieuse avec d'autres femmes de la lutte de 22 mois de grève qui ont été faits à l'hôtel ibis batignol et qu'elles ont gagné, et qui, derrière... Avec des gens qui la regardent et qui se disent, Pas moi aussi je fais. Un... Voilà, combat de également de François Ruffin, je le souligne au passage parce que le combat de François Ruffin également. Exactement. C'est lui mais, des, des mais femmes de ménage, donne, notamment à l'Assemblée. Qui donne des liens d'identification pour les gens lorsque vous disiez cet été, l'été dernier, lorsque nous sommes rentrés à l'Assemblée nationale pour cette nouvelle mandature, que jamais autant de personnes n'avaient regardé l'Assemblée nationale. C'est vrai. Je pense que c'est notamment grâce au fait que avec notre groupe pas que mais notamment avec le peuple c'est une évidence que vous avez participé le peuple le peuple, à la rendre en fait, beaucoup plus regardé. Mais oui, et pour nous c'est important parce qu'il y a lien avance. avec la politique et que justement le fait d'avoir des complémentarités est une chose qui euh, Permet d'avoir un message très ample auprès des gens. C'est l'heure du bilan, euh, on voit bien qu'il y a des réussites, on voyait l'IVG dans la Constitution, euh, la NUPES, il euh, y a un désir d'union euh, chez, chez le peuple de gauche, comme on appelle, énorme. Euh, ça marche à l'Assemblée, vous travaillez ensemble, vous, vous avez des positions sur les textes quasiment les mêmes, pas tout le temps, mais quasiment les mêmes à chaque fois. Mais l'avenir, elle est en péril cette alliance, non Quand on voit que vous faites bande à part aux Européennes alors c'est pas nous qui faisons bande à part puisque c'est nous. Parle qui... dans l'ensemble des partenaires. C'est puisque nous, nous militons depuis plusieurs mois pour qu'il y ait une pas. liste unique euh, aux européennes. Je vais expliquer pourquoi. J'espère que nous pouvons convaincre nos partenaires sur cette question. Pourquoi Parce que ce qui est dit dans les sondages, contrairement à ce qu'on dit médiatiquement, ce qui est dit par les uns et les autres, ce qui est dit dans les sondages, c'est que la Nupes unie serait la première force aux européennes avant le Rassemblement national et, évidemment, vrai, avant C'est vrai, mais il y a un autre sondage qui montre que, séparés, les forces de la NUPES ont des réserves de voix et sont mais à ça 10 a... points au-dessus. n'a aucune contradictoire. Parce que vous compre... Non, ce n'est pas contradictoire. Vous comprenez bien que, le soir des élections européennes, si le message politique qui est envoyé à tout le pays, le signal politique, c'est « la NUPES est la première force du pays, où nous pouvons d'ailleurs encore progresser, par mmh. rapport au sondage mmh. qu'il y a maintenant, puisque ce n'est pas maintenant, c'est dans un an euh... », ce n'est pas du tout la même chose que si c'est le rassemblement national qui est la première. c'est une évidence. mais l'impossible union aux européennes aujourd'hui, elle est largement imputée. ce n'est pas moi qui le dis. Hein. ce sont euh, à écouter euh, en coulisses les écologistes, les socialistes, euh, les propos de jean-luc mélenchon sur l'europe, sur la russie. il y a une forme, voilà. Mais vous réconciliabilité là-dessus. Alors, c'est pas un, un peu de an. sa faute aussi Non, il y a pile un an. Déjà, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a impulsé les choses pour que ça crée la NUPES. Je le remets quand même. Je l'ai dit dans tout à l'heure et personne et... ne. Et je trouve ça assez incroyable qu Alors qu'il est en train de, euh, de justement vouloir lui aussi une liste unique aux européennes, on, on dise maintenant qu'il veuille euh, détruire l'outil, ce qui n'est absolument pas le cas. Cette semaine, ça fait exactement un an que le premier tour de l'élection euh, législative a eu lieu. Vrai. Et nous avons gagné, je le rappelle, la NUPES, le premier tour de l'élection législative. Ensuite, notamment parce que beaucoup des candidats euh, macronistes qui avaient été défaits ont préféré ne pas faire aucun appel au vote, voire à appeler contre la NUPES, alors qu'il y avait le RN en face. Nous nous sommes retrouvés avec 89 euh, députés RN, ce qui est la responsabilité historique des macronistes. Je le dis pourquoi Parce qu'on ne va pas nous expliquer que nous aurions été capables de gouverner il y a pile un an, ensemble, sur un programme de rupture, qui est un programme de gouvernement, qui est toujours d'actualité et sur lequel nous nous appuyons. Un accord à électoral aussi. Hein. Ben, L'idée, c'était quand même que voilà, non, cet accord non, a été décidé. Après ce la présidentielle, pas, pas avant. C'est vrai. Ce n'est pas qu'un accord électoral. J'ai lu Jean-Luc Mélenchon dans 20, en 20 50 minutes, comme vous. <laughs> Exactement. Alors, on avance parce qu'il faut quand même qu'on regarde qui marche. Si il marche il nous étions capables de gouverner, alors ensemble, alors nous sommes évidemment capables d'aller aux élections européennes ensemble. Et vous l'avez dit, ça fonctionne très bien à l'Assemblée. On se voit toutes les semaines, tous les mois avec les 151 députés. C'est dit. Donc, nous pouvons avancer ensemble. Il reste un point noir quand même euh, au sein de la France insoumise. C'est la gestion de l'affaire Cadines. On a parlé des réussites. Il y a aussi des échecs. Est-ce que vous vous avez des regrets, vous êtes très féministe, on l'a vu, euh, on connaît vos combats, sur la manière dont, dont les choses ont été gérées. Il y a encore beaucoup de militants au sein de l'FI qui auraient préféré l'exclusion. Mais je crois que c'est exigeant, mais qu'il faut tenir les deux fils. Je le dis parce que je pense qu'au contraire, nous avons, nous, euh, comme groupe parlementaire, affronté la situation. Et nous n'avons pas mis, en quelque sorte, la tête dans le sable en faisant semblant... Quand Jean-Luc Mélenchon pas. dit, écoutez, 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 il dit, écoute, un jour me... ou l'autre, Adrien Quatennens reviendra dans la course... C'est une maladresse de dire ça. Vous le rediriez-vous, ça je vais vous dire. Un jour ou l'autre, il reviendra dans la course Je vais vous dire oui, Adrien Quatennens c'est député. Il est député. Mais il reviendra dans la course Oui, mais ce que. Ce que... Écoutez, dans, dans... je vais vous expliquer. Il y a deux choses. Il y a évidemment la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est une lutte exigeante. Et il y a aussi, et il faut les tenir les deux, et c'est ce que je crois notre groupe parlementaire a fait. Euh, il y a aussi la vision humaniste que nous avons de la justice. Et je comprends que le mouvement féministe n'en est pas là. Parce que je comprends que l'impunité qui a valu sur euh, des gens auteurs de violences, voire, euh, voire pire, pendant des dizaines et des dizaines d'années, amène le mouvement féministe à être très dur sur mmh. cette question il y a une condamnation, et à même. dire qu'il faut être exigeant. Mais Adrien Quatennens a été condamné il a ensuite été sanctionné politiquement. Il n'est plus coordinateur du mouvement. Il a été euh, suspendu du groupe parlementaire pendant quatre mois. Il est très présent quand même autour de Jean-Luc Mélenchon. Manifestement, vous avez lu comme moi l'article du Monde publié aujourd'hui. Oui, mais écoutez. Alors il faut qu'on en parle parce un que moment, il y a une question, c'est quand justice même ce qui s'appelle la réinsertion. Comment est-ce qu'on fait dans une société féministe débarrassée du patriarcat Comment est-ce qu'on fait avec des gens qui ont été auteurs de violences, ce que Adrien Quatennens a reconnu et dont il a subi les conséquences Qu'est-ce qu'on fait Et je, je le dis d'autant plus que c'est un moment, c'est exigeant cette question-là. Et je comprends que ça ouvre des, des colères et des brèches énormes chez des gens. Mais il y a un moment, si on veut une société féministe, il faut penser aussi à la réinsertion des auteurs de violence. C'est dit, c'est dit, et euh, on verra comment euh, voilà, réagissent euh, les Français. Mais c'est une position claire et vous l'assumez. Les méthodes. Il faut qu'on dise un mot pour terminer cette interview des méthodes de Jean-Luc Mélenchon. verrouillage généralisée, disent certains. En décembre, les historiques de l'FI étaient écartés de la direction du mouvement. Aujourd'hui, Le Monde révèle à la suite de médias. Que certains militants sont fichés, que le POI, le parti ouvrier euh, euh, indépendant, lambertiste, trotskiste, historique de Jean-Luc Mélenchon, a infiltré le, le parti. C'est un, presque une ambiance de purge. C'est ce faux. C'est faux. Sur la, la... Alors, je vais dire très factuellement sur des points pour aller rapidement. La première chose, personne n'a été purgé de la direction. Je veux dire, euh, le parti de Clémentine Autain est invité au Conseil politique, le parti de François Ruffin est invité au Conseil politique. Euh, euh, Alexis Corbière n'avait jamais fait partie de la coordination avant, donc il n'y a pas de purge. C'est une chose qui est inventée autour de ça. La deuxième chose sur le fichage de militants qui a été révélé effectivement dans un journal sur lequel vous avez un communiqué de la France insoumise qui dénonce ces méthodes et qui, dont on ne sait pas euh, d'où elles viennent mais en tout cas qui ne sont pas les méthodes de la France insoumise et je veux le dire parce qu'il y a une manière de décrédibiliser l'alternative et la force politique que nous sommes je vais vous dire je comprends qu'on veuille taper et continuer de taper sur Jean-Luc Mélenchon mais je, non mais je ne je, je, je vous parle pas forcément à vous mm -hmm. mais je le dis je comprends qu'on veuille mm -hmm. taper sur un homme qui a fait 22% aux élections présidentielles qui a été trois fois notre candidat. Et je vais vous dire, si nous sommes dans une situation avec 75 députés LFI, si nous sommes dans une situation avec 151 députés Nupes, ou contrairement à tout le reste de l'Europe, notre famille politique est écrasée. Eh bien, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et si on peut réouvrir une brèche d'espoir dans ce pays et en Europe, c'est grâce à Jean-Luc Mélenchon. Et si on peut faire, faire en, en sorte qu'il assure... qu soit représentant en As 2027? Je ne sais pas, ça il décidera. Bon, je ne sais pas. Vous ne pas, ne pas, me pas. Répondre. Grâce à lui, on a des problèmes de riches, on a plein de candidats potentiels, et ça c'est quand même très bien. Et je vous le dis, nous sommes aujourd'hui à la fois sur la ligne de rupture et de crédibilité, parce qu'à chaque projet de loi, nous avons présenté ce que nous nous ferions si nous étions au gouvernement, et nous aspirons toujours à gouverner ce pays. Merci, merci. Merci, à vous. merci Mathilde Panov. Vous restez avec moi. C'est l'heure d'accueillir euh, nos affranchis. Vous allez voir leurs partis pris vont vous faire réagir. On les accueille tout de suite. Allez, Vincent Hugues, grand reporter qui va nous parler d'MBS dans un instant, et puis le philosophe Pierre-Henri Tavoyot, installez-vous, préparez vos parties pris On commence euh, comme chaque soir euh, par Bourbon Express, nouvel épisode ce soir de notre série spéciale Un an de la nouvelle assemblée avec aux ce soir euh, Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Myriam. Alors, de quoi nous parlez-vous ce soir et eh bien ce soir, à l'heure du bilan, j'ai choisi de vous parler d'une pratique que vous avez contribué à vulgariser, Mathilde Panot, dans votre groupe. C'est le name and shame, en bon français, nommer et couvrir de honte. Alors c'est une pratique courante dans les pays anglo-saxons, objectif d'énoncer les auteurs de mauvaises pratiques pour porter atteinte à leur réputation, pour changer les comportements. Appliqué à la politique, ça consiste à demander des scrutins publics dans l'hémicycle pour publier ensuite la liste des députés qui ont voté tel ou tel mesures sur les réseaux sociaux. L'insoumis François Ruffin était l'un des premiers à lancer le concept. C'était en 2018, à l'époque on parlait euh, d'un texte pour améliorer euh, le statut des accompagnateurs des enfants handicapés et la majorité avait adopté une motion de rejet, colère du député insoumis. J'espère que le pays ne vous pardonnera pas. Nous vous demandons un scrutin public. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Et voilà, Myriam, comment François Ruffin fait entrer dans l'hémicycle le pouvoir de la honte. Alors cette année, certains insoumis n'ont pas renoncé à cette pratique. Loin de là, un exemple, Louis Boyard, en février dernier, il l'affichait sur son compte Twitter, les 184 députés de la majorité qui avaient voté contre le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Indignation de certains membres de la majorité. Regardez ses tweets, il dénonçait des méthodes de voyous, des méthodes antidémocratiques. Notre République mérite mieux que l'appel à la vindicte populaire, vous le voyez sur cette image, et le lendemain, eh bien, le député Modem, Erwan Balanan, avait lui aussi réagi dans l'hémicycle. On l'écoute. Un certain nombre de nos collègues sont euh, harcelés maintenant par les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez penser que ce n'est pas grave, et effectivement, ce n'est pas si grave parce que, parce que nous sommes députés et que nous prenons des risques et nous avons l'habitude. Mais ces députés... Ces députés ont aussi parfois des enfants et des enfants qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques députés qui ont vu leurs enfants harcelés parce que leurs parents avaient fait un vote. Et là voilà la conséquence, un pointé du doigt par Erwan Balanant. le harcèlement sur les réseaux. Certains pointent même les risques de violence envers les élus, des critiques balayées par votre protégé. On écoute Louis Boyard. Eux, ils appellent ça le name and shame. Moi, je shame rien du tout, je naïme c'est tout. Je rencontre des votes, j'assume chacun de mes votes, je leur demande d'assumer chacun de leurs votes. Au moment où on essaie de faire de la publicité sur ce qui se passe ici et qu'ils prennent des mauvaises décisions qui vont énerver les gens, on vient ensuite nous voir en disant non, racontez pas qu'ils font n'importe quoi, sinon les gens vont s'énerver. Mais qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, c'est pas nous qu'il faut pointer du doigt. Voilà, pas de regrets hein, pour Louis Boyard. Rappelons quand même, Myriam, que sur le fond, le député insoumis n'a commis aucune faute. C'est un procédé légal. L'Assemblée elle-même publie sur son site le vote de chaque député pour oui, chaque scrutin public. Sûr. Pour terminer, il faut dire que les insoumis ne sont pas les seuls hein, à pratiquer non, le name la... and shame. Le gouvernement le fait aussi. Exactement. L'année dernière, le gouvernement a épinglé 16 entreprises qui ne respectaient pas l'index égalité femmes-hommes. La liste avait été publiée. Et dans l'actualité récente, eh ben, il y a aussi les menaces de Bruno Le Maire, le ministre de oui, l'Économie. la grande distribution. Effectivement, qui a laissé entendre qu'il pourrait publier d'ici la fin du mois la liste des industriels de l'agroalimentaire qui auraient euh, refusé de baisser les prix euh, face à l'inflation mmh. Un mot de réaction. La pression peut être efficace, mais elle peut aussi, euh, des, voilà, avoir des dérives. Euh, euh, oui, non mais ça vous reconnaissez Le l harcèlement, on, les, l harcèlement, notamment sur les proches des députés, nous n'avons jamais appelé à ça. Mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Si ces députés veulent avoir des votes secrets, qu'ils aillent dans un conseil d'administration. Les votes ne sont pas secrets. Nous sommes des représentants du peuple. Ils ont des comptes à rendre sur ce, ce qu'ils font, ce qu'ils votent, et ensuite c'est à eux d'expliquer mmh. quels sont leurs votes. Donc non, moi je trouve ça normal euh, dans une démocratie. De faire en sorte que chacun et chacune puisse savoir qui a voté euh, sur, euh, mm -hmm. contre l'augmentation du SMIC, contre le repas à 1 euro. Mais les réseaux, réseaux temps... sociaux changent pas mal la donne, dans oui, tout bah, ça. Oui, mais les, les réseaux, réseaux sociaux chaînes. aident aussi à ce que beaucoup de gens s'intéressent à la politique et je trouve ça intéressant. Le bac philo est passé, mmh. <laughs> Caron et voyou Et les vacances approchent. Alors pour vous, c'est le bon moment pour revenir sur une polémique assez récente, sur les jours fériés. Oui, c'était une, politique... une polémique qui a été lancée par Éric Piolle, le maire de Grenoble, au moment de la fin du ramadan où il y avait beaucoup d'absentéisme dans les écoles et euh, des agents et des élèves et donc le, le ministre de l'intérieur à cette occasion voulait un peu pointer ces absences et donc Éric Piolle avait dit qu'il fallait un peu remettre à plat le, les questions des jours fériés avec deux propositions la première que je trouve d'ailleurs assez intéressante qui consistait à dire bon le, le lundi de Pentecôte correspond pas à grand chose aujourd'hui remplace seulement par une vraie date symbolique l'abolition de l'esclavage ça c'était le projet de loi en 2018 qui avait été proposé et puis il y a une deuxième proposition alors qu'il s'agit d'ouvrir les jours fériés ou la Diversité religieuse, c'était là une proposition de la commission Stasi qui avait dit, je cite, « En 2003, la République s'honorerait en reconnaissant les jours les plus sacrés des autres grandes religions monothéistes présentes en France. » Alors là, c'est quelque chose de plus compliqué à mettre en place, je ne suis pas persuadé d'être tout à fait d'accord. Alors les jours fériés religieux, ça reste un point de friction hein, entre les cultes d'un côté et la République laïque de l'autre mais la République a toujours le dernier mot. Euh, en effet, quand on regarde l'histoire de ces jours fériés, c'est très intéressant. Il y a 11 jours fériés en France. Il y en a 6 qui sont en lien avec euh, la religion. Sur ces 6, il y en a 4 qui ont une histoire particulière. Il faut rappeler que sous l'Ancien Régime, il y avait 50 jours fériés. La Révolution abolit tout ça, mais euh, c'est assez confus. Napoléon arrive, et dans sa volonté de réconcilier l'Ancien Régime et la Révolution, qu'est-ce qu'il fait Il dit voilà, il y a un principe simple un jour férié par saison. Ça donne quoi La Toussaint, Noël. L'ascension et l'assomption le 15 août. Vous avez mis, il en reste deux. Des lundis, comme par hasard, coïncidence, je ne crois pas. En fait, ce ne sont pas des fêtes religieuses. Le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte ne sont pas des fêtes religieuses, ah oui ce sont des revendications des marchands du Moyen-Âge, parce qu'il fallait, après les fêtes, justement, se reposer. Et on peut ajouter le dimanche, le fameux dimanche chômé que nous avons. Alors là aussi, l'histoire est intéressante. La Révolution abolit ce dimanche chômé, euh, la Restauration le restaure, la République le resupprime jusqu'au 10 mars. 1906, une tragédie à Courrières, minière, et qui était imputée à la fatigue des ouvriers. Et donc c'est la CGT qui demande à l'époque que l'on restaure un jour férié. Nous sommes après la loi de 1905, et ce sera le dimanche. Oui, alors vous nous dites Napoléon, les marchands, la CGT, ces jours chômés, donc dits religieux, euh, ne le sont pas, vous nous l'avez expliqué, ou du moins pas seulement. Oui, pas seulement. C'est très important parce que ça donne bien l'esprit de la laïcité. La laïcité, c'est pas contre les religions. Le contraire, la laïcité, c'est pas la religion. C'est le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est quoi C'est la volonté de que tous les jours soient religieux, 24 heures sur 24, euh, toute l'année, et ce fondamentalisme chronophage à l'égard des religions. Justement, la laïcité nous permet de nous en éloigner avec une culture du compromis qui consiste à dire, grosso modo, nous devons arbitrer entre les mœurs nationales, les spiritualités individuelles, l'utilité sociale, la symbolique. Collective. Il n'y a pas que la religion dans la vie, il peut y avoir du religieux, mais c'est ça le message de la laïcité. Merci, passionnant parti pris, philosophico-historique et en enfin phase avec Eric Piolle, tout est possible, Thierry Tavoyot, pour est vous. Allez, on enchaîne pour vous laisser un peu de, un peu de temps. Vincent, vous vouliez revenir sur cette visite à Paris d'MBS et oui, Emmanuel Macron remet donc le couvert, hein, couvert en argent massif et or noir pour l'occasion. Non content d'avoir en juillet dernier déroulé le tapis rouge sous les pas de Mohamed Ben Salman, notre Jupiter élyséen déjeunera demain avec le prince héritier saoudien. Il a pour mieux flatter son hôte, enclin à débarquer sans préavis, bousculé l'agenda présidentiel. C'est donc en Seine-et-Marne, et non à Pau, François Bérou appréciera, mmh. que Macron ira discourir sur l'avion du futur. Il faut dire que le fougueux timonier de la monarchie wahhabite vient un peu en voisin, lors de ses escapades hexagonales, MBS séjourne dans son château de Louvciennes, près de Versailles. Un samsufi à 275 millions d'euros, conçu et bâti par le cousin de Jamal Khashoggi, cet éditorialiste dissident, dont Ben Salman avait en octobre 2018 ordonné l'assassinat, étouffement suivi d'un écarissage à la disqueuse, et ce, dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. revient Mohamed, tout est pardonné. Alors, ce n'est pas à vous euh, que voilà je, je vais dire, mais je vais le faire quand même, comme les diplomates. Euh, le Royaume saoudien, acteur incontournable aujourd'hui. Je connais la chanson et quelques autres refrains dont cette increvable rengaine furieusement quédorcée. Si l'on ne devait parler qu'avec les démocrates exemplaires, on se condamnerait au silence et à l'inaction. Sus au droit de l'homisme, gloire au pragmatisme, au réalisme tous ces ismes au large desquels périssent par noyade conviction et principes. Une telle doctrine repose sur un postulat bancal. La dialectique entre la morale et l'efficacité serait un jeu à somme nulle. À cette aune-là, seul le cynisme est performant, tandis que la fidélité aux valeurs affichées tracerait le chemin le plus court vers l'impuissance. Pas si vite, ce qui vis-à-vis -vis des despotes de toutes obédiences s'avère contre-productif, c'est la complaisance, la souplesse des Chines. Confidence recueillie ce matin même auprès d'un vieux routier des pétromonarchies, comme Vladimir Poutine, MBS vrai bête politique n'entend que les rapports de force et il a compris un truc. Fort de son brut, le royaume peut tout acheter, y compris ses partenaires avides de contrats du marché d'armement au chantier BTP pharaonique. Et est-ce que ça marche alors ce forcing Et oui. Oui, la stratégie d'influence à la Saoud, inspirée au demeurant par le rival qatari, fait ses preuves dans tous les domaines, y compris le sport et la culture. Les pré-retraités du ballon rond, hein, le portugais Ronaldo, le français Benzema, cautionnent sans état d'âme, mais à prix d'or, une modernité de façade. Citons le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah, le Rallye Dakar, rapatrié dans les dunes, mais aussi la crème du golf mondial, golf sans eux, euh, du golf mondial, que Riyad s'efforce d'attirer via un nouveau circuit doté de primes délirantes. Côté septième art, eh bien, on le sait, mywen euh, elle a vu ça. Jeanne Dubarry, financée par une fondation euh, saoudienne, ce n'est pas un sujet, d'ailleurs, esquive l'intéressait, car, dit-elle, en Arabie, les choses bougent. Une certitude, l'éruptive cinéaste excelle autant dans la fiction que dans le film en costume. À Paris, MBS plaidera en faveur de l'octroi à son pays de l'exposition universelle 2030. Nul doute que le prince mégalo sait fort bien s'exposer. Pour ce qui est de l'universalisme, il y a du chemin à faire. Allusion aux milliers de ses sujets décapités, lapidés ou livrés au peloton d'exécution depuis 2015. Le message vaut pour tous ceux qui œuvrent à sa réhabilitation. Dis-moi qui tu courtises, je te dirai qui tu es, qui tu es en trois mots. Merci beaucoup. Toujours aussi bien écrit, Vincent. Hujud. Un tout petit mot de, ré de réaction. On avait vous fait une affaires affaires. La dernière fois en juillet, lorsqu'il euh, lorsqu avait été reçu euh, par Emmanuel Macron, on en refera de nouveau une autre. Et merci pour les deux chroniques passionnantes, celle sur euh, euh, les jours fériés, parce que la, la, ça fait partie de la civilisation, du temps libéré aussi de ce que nous on porte. on avait porté euh, avec Jean-Hugues Gratton une proposition de loi pour euh, demander à ce que euh, le 4 février soit une journée fériée pour l'abolition de l'esclavage. Et, euh, et voilà, et de rappeler, euh, notamment sur là, un, bon, un, un, un cas quand même euh, qui fait particulièrement honte à notre pays, de rappeler qu'il y a. Vous aux des aux affaires d'ailleurs Ah, MBS, non. Vous ne commerceriez on le pas. plus Ah non, non, on ne le recevrait pas, non. C'est dit, dire... on verra ça. Merci. Merci les affranchis. À très vite, Marco Pommier. Et euh, je vous retrouve demain. Merci de nous avoir euh, suivis. Et merci à toute l'équipe de CVR qui m'accompagne. Tiens, j'en profite un tout petit peu. À demain, très belle soirée. thank you